Qu'est-ce qui fait la modernité d'une icône du design? Si on regarde la chaise 420A de Harry Bertoia pour l'éditeur américain Knoll, quand le regard se porte sur l'assise, on observe finalement une forme qui pourrait être de 2021, comme une sorte de forme indépendante qu'on verrait se mouvoir sur un écran d'ordinateur, où d'un simple clic, on pourrait arrêter le mouvement de cette forme pour avoir finalement le dossier. Or là, en 1952, Harry Bertoia arrive à ce résultat complètement à la main. Non seulement elle est fabriquée à la main, mais il va la modéliser lui-même en travaillant dans son atelier comme il a toujours fait. C'est d'ailleurs dans son atelier du métal à la Cranbrook Academy of Art que son éditrice, Florence Knoll, l'a rencontré. Il ciselait même des bijoux. Donc le métal, c'est vraiment son élément. Il arrive à avoir un siège finalement assez évanescent, assez transparent et en même temps très métallique. Donc effectivement, il faut quelque chose qui soit à la fois accueillant et en même temps très solide. Donc la galette de mousse sert effectivement à s'asseoir, c'est-à-dire quand on s'assoit sur un siège, c'est comme si on avait des capteurs physiques qui vous font enregistrer des sensations du contact de votre corps avec le métal, mais il sent bien que ça tend pas les bras. Donc en fait, il se dit que non seulement on profite de ce confort quand on est assis dessus, mais c'est aussi un confort qui est visuel. Harry Bertoia, en fait, autant il travaille le métal dans son atelier, mais c'est aussi un sculpteur. Et donc il est conscient de ça. Il est conscient que finalement, quand on regarde cette chaise de loin, autant elle a l'air comme ça aérienne, un peu évanescente, en même temps, le coussin vous donne l'impression que vous pouvez vraiment vous asseoir dessus sans aucun problème. Les pieds sont dans la continuation, c'est comme un principe, c'est-à-dire que ce sont de fins tubes d'acier qui finalement créent une sorte de réseau extrêmement graphique qui rejoint l'assise de par en dessous. L'idée, c'est d'avoir finalement un siège qui est là et qui en même temps est pas là. Si vous imaginez par exemple une icône de l'architecture comme la Villa Stahl à Los Angeles, grande maison toute plate avec des grandes baies vitrées, un paysage incroyable sur toute la ville, et que vous posez deux chaises comme ça à cette époque au bord de la piscine, parce que vous pouvez les mettre dehors, ben en fait, ça ne vous prive absolument pas du paysage. Et en même temps, elles sont tout à fait pratiques, on les déplace, on les rentre. Donc c'est finalement un objet qui ne fait peur à personne et qui en même temps a une certaine présence, une certaine personnalité. C'est ce qu'il réussit à faire. Et au fond, la singularité de cette chaise 420 de Harry Bertoia, c'est que son éditrice Florence Knoll est venue voir donc Bertoia sculpteur en lui disant « Fais ce que tu veux dans l'atelier, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je l'édite. » Et ça a donné, paradoxalement, un carton commercial.